voulait représenter la tête pensante du 11 septembre. Mohamedou Oulslahi, le Mauritanien détenu à Guantanamo. Il a recruté les types qui ont envoyé l'avion de votre ami dans la tour sud. Nous ne sommes pas là pour des interrogatoires. Nous ne travaillons absolument pas pour le gouvernement américain. Je sais. J'ai su qu'on vous est rentré. Les interrogateurs n'ont pas peur des prisonniers. On va réclamer la peine de mort, mais si on omet un petit détail, il sera libéré. Le gouvernement américain retient 700 prisonniers à Guantanamo. Depuis quand on enferme les gens sans leur accorder de procès dans ce pays? Ça fait un paquet de dossiers. Oui, le gouvernement a 4 ans d'avance sur nous. Depuis que je suis ici, on a cessé de me dire tu es coupable. Pas pour quelque chose que j'aurais fait, mais à cause de soupçons. Le bureau du procureur refuse de nous montrer les charges d'accusation. Tout est censuré. S'il y a un problème, allez voir le gouvernement. Je suis innocent. Il a été interrogé, il a été également retenu contre son gré pendant 6 ans, sans aucune charge valable contre lui. Ça ne vous perturbe pas de défendre un terroriste? Ce n'est pas seulement lui que je défends, c'est la règle de droit. Vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Peut-être qu'il est coupable. Peut-être, oui. Vous devez me dire tout ce que vous avez subi, sinon je ne pourrai pas vous défendre. Est-ce que vous comprenez? Vous me demandez de mettre le feu ici, mais moi je suis toujours coincé ici. Ce n'est pas un suspect, c'est un témoin. Je viens d'un pays où on n'a aucune confiance en la police. Jamais je n'aurais imaginé que les États-Unis d'Amérique utiliseraient la peur et la terreur pour me contrôler.